plus. Et c'est aussi déjà un premier test, même si lui ne veut pas parler de ça. Il nous a dit que c'est un combat juste pour confirmer mon talent. Ah, ce que je pense, et je le pense sincère quand il dit ça, c'est que c'est pas le combat le plus important de sa carrière. Mais par contre, c'est le combat le plus important qu'il ait à faire en MMA dans cette discipline. Et on peut aussi saluer, c'est un peu le risque qu'a pris le PFL aujourd'hui. Parce que Jordan Zebo, c'est celui qui est capable d'éteindre la hype de Cédric. Et c'est aussi celui qui veut faire capoter tous les plans que le PFL avait pour Cédric Doumbé. On le sait, Cédric Doumbé, c'est de l'or. Il vend et on le voit ce soir. Il arrive à créer, à fédérer autour de lui. Et c'est vrai que le prix à payer, c'est qu'il polarise quand même une partie qui est contre anti-Doumbé. On a vu quelque chose d'important aussi, Chris, dans les enjeux. Pourquoi Jordan Zebo aussi a été choisi? Son point fort, c'est la lutte, qui est le point faible de Cédric Doumbé, même s'il a beaucoup travaillé là-dessus. Il a précisé en plus à son adversaire en disant qu'aujourd'hui, il était meilleur grappling, c'est bien ça qu'on dit, messieurs, dans le grappling que Jordan Zebo. Il a beaucoup travaillé, notamment en Irlande, sur les terres de Conor McGregor. Il a besoin de prouver et d'envoyer un message au monde qu'il a travaillé dessus, parce qu'en fait, son objectif, c'est le tournoi l'année prochaine au PFL. Il n'y a que des gros combattants au PFL dans le tournoi et que des gens qui seront là pour gagner le million. Ils ne seront pas là pour échanger avec lui debout, ils seront là pour le mettre sur son dos. Donc il a besoin d'envoyer un message à tous ces combattants qui participeront au tournoi l'année prochaine pour leur dire: les gars, c'est compliqué de m'amener au sol, vous risquez de devoir rester debout contre moi, et ça, c'est l'enfer. Mika, toi qui as connu ces moments-là, comment on se sent à quelques secondes maintenant d'entrer dans la cage, rapidement? Il faut prendre cette énergie de la salle, même si elle est contre soi, il faut faire un focus, un blocage, se remettre en question toutes les frustrations qu'on a vécues et se dire qu'on est là parce qu'on l'a choisi et pour donner le meilleur de soi-même. Allez Antoine, Taylor, messieurs, c'est à vous, c'est le grand moment de la soirée. Effectivement, c'est le moment que tout le monde attend. Et regardez, Jordan Zebo, le premier à faire son entrée. On va vous laisser profiter un peu de l'entrée. Hein. Tout le monde est debout, comme vous pouvez le voir, dans ce Zénith de Paris. Voici Jordan Zebo, le représentant du MMA Factory. Très jeune combattant, rendez-vous compte, il vient tout juste débuter sa carrière. Il est passé par... C'était un muscu avant, c'est ça Taylor? Il était dans le crossfit. Voilà, il a fait pas mal de crossfit, il a fait beaucoup de choses. Mais c'est un fan de MMA. Il était en Martinique avant d'arriver sur Paris. Il est arrivé très jeune au MMA Factory. D'ailleurs, il a fait ses armes sur le circuit amateur. Il est passé par l'IMAF. Il me semble qu'il avait été finaliste des championnats de New York. And his opponent fighting out of the red corner, Cédric Doumbé. Allez, on y est. C'est le moment que tout le monde attendait. Thank you.
Et le voici, Cédric Doumbé qui vient de faire son entrée dans la cage du PFL. Lui aussi va faire ses débuts au PFL, il aurait dû faire ses débuts au mois de juin. Finalement, ça a été reporté à ce PFL Paris. Et on vous a laissé profiter de cette entrée si particulière. Il a un morceau à lui. Ah bah, il a été fidèle à lui-même. Et on a vu que le public réagit à tout. Cédric. Allez, les clés de la victoire proposées par le BFL pour chacun des deux hommes. Cédric Doumbé, donc bien sûr, garder le centre de gravité assez bas, contrôler le centre de la cage, pas se retrouver acculé contre le grillage, parce que c'est là où Jordan aimerait l'emmener. Pour Jordan, c'est bien sûr masquer ses takedowns avec des frappes. Ladies and gentlemen, the following fight is a welterweight showcase match. And is our main event of the evening. Introducing first, fighting out of the blue corner. He is an MMA specialist and stands 5'9" tall. He weighed officially at 117.8 pounds and holds a perfect professional record of 4 wins and no defeats. Fighting out of Paris, France, Jordan Lefort. Out of the red corner, he is a kickboxing specialist and stands 5'8" tall. He weighed in officially at 169.9 pounds, and he also holds an undefeated MMA record of 4 victories and no defeats. Fighting out of Paris, France, Cédric the Si vous avez vu le protège-dent de Doumbé. The referee in charge, Mark Goddard. Protège-dent, Jordan, t'es mort. Donc c'est vraiment le mot d'ordre hein, ce soir. Jusqu'au bout. Ah ouais. Jusqu'au bout. Et c'est le combat que tout le monde attend. Voilà, il demande un peu de calme. Le calme avant la tempête. C'est terrible. À vivre, ça doit être extrêmement compliqué. Waouh. Allez, on y est. C'est le moment que tout le monde attend. La salle est en ébullition ici ce soir aux Zénith de Paris. Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Marc Godard à l'arbitrage, 3 rounds de 5 minutes. Catégorie welterweight, 67 kg, allez, c'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. C'est incroyable. Encore sous le choc. C'est incroyable. Et la salle qui a explosé. La salle qui a explosé. Oh là 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 là. Et le petit regard derrière. Oh là 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 là. Waouh. Oh, c'est incroyable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je n'ai vu qu'un coup. Un seul coup. Un coup. Waouh. On posait plein de questions, mais on n'a pas vraiment eu de réponse. On a juste la réponse que la confirmation là que Doumbé a de la dynamite dans les poings, c'est un fait. Il a éteint la lumière. Waouh, c'est terrible. C'est terrible. Oh là 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 là. Waouh, ça n'a même pas duré une minute. Non, sur le premier échange, le premier coup qu'il a envoyé, incroyable. On vous disait qu'il avait de la puissance, il avait de la dynamite dans les poings, cet homme. Et il nous l'a prouvé ce soir. Incroyable. Waouh, il est attendu, regardez, il a choqué tout le PSG. Ah oui. Il a choqué tout le monde en vérité. Ah oui, oui.
Waouh. C'est dingue. Alors c'est bien sûr le chaos de la soirée, hein. C'est Bien sûr. C'est premier échange. Waouh. On va voir. Vaikik l'a saisi. Il a tenté de balayer et un crochet. C'est le crochet du gauche et il a éteint. Il a éteint Jordan sur ce crochet. Ah oui, là. Plein menton. Oh là 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 là. Et c'est vraiment le premier crochet du gauche, hein, qui éteint Jordan derrière. Les coups derrière sont superflus. L'arbitre qui intervient très très vite. Et Mbappé n'en revient pas. Ah, c'est dingue. Waouh. En tout cas, encore une fois, la plupart des gens présents ici ce soir se sont déplacés pour Cédric Doumbé. Il n'a pas déçu. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a fait le boulot juste du début jusqu'à la fin. Et là, je vous garantis que tous les gens qui ont fait le déplacement ce soir referont le déplacement la prochaine fois. C'est certain. Il y en aura même plus derrière. C'est waouh. Et là, il va falloir ajouter des wagons, hein, sur le train de la hype. Ah là. Waouh. Ah, je pense que du point de vue de Cédric, il pouvait pas réussir de meilleur début au PSG. Ça peut pas être mieux. Clairement. Quelle puissance de frappe. Deux coups. Alors on a peu eu les réponses, hein, concernant les interrogations vis-à-vis de la lutte de Cédric, mais bon. On a une réponse alors qu'on avait déjà malgré tout. Ah, on savait la déjà puissance ça. De frappe de Cédric. Et là, c'est terrifiant. Ah, c'est terrifiant. Et, j'ai utilisé ce mot-là lors des débuts de Francis Ngannou à l'UFC. La puissance de frappe qu'il a pu utiliser. Daniel Cormier à l'époque avait utilisé le même terme en disant qu'il était terrifiant. Et je pense que ladies, ce soir, c'est un superlatif. Ladies and gentlemen. Qui n'est pas exagéré. Ladies and gentlemen. Referee Mark Goddard calls a halt to the action at 9 seconds of round number 1. Declaring your winner via knockout, Cédric the Best Doumbé. Et voilà, et ces images qu'on est content de voir. On s'en doutait, hein. D'ailleurs, Cédric nous l'avait dit à plusieurs reprises, hein, y a rien de personnel. Tout ça, c'était pour vendre le combat. Il l'a très bien vendu, d'ailleurs, ce combat. 9 secondes, rendez-vous compte. Voilà. Donc c'est dur, hein, bien sûr, pour Jordan Zemo, mais croyez-moi, ce jeune a du potentiel, il reviendra. Il a encore de très belles années devant lui. Ladies and gentlemen, Cédric Doumbé, victorious. It took all of 9 seconds for you to make a statement here in the PFL Smart Cage. You caught the kick, you landed the left hook, and then the right after it. Is this how you envisioned your PFL debut? C'est comme ça que tu avais visualisé tes débuts au PFL. Hey. First of all, for French people, hey. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me baisser, photo! K.O. premier round, on n'en parle plus! T'es ma pitaya, il me regarde, Miski! Thank you very much. Thank you very much. You know, that's one of my best preparations I ever did in this combat sport. And I feel very great, very great. I feel on shape. Il dit que c'est peut-être la meilleure préparation qu'il ait jamais fait dans sa carrière. Il dit je le savais que je mettrais KO. But
I was pretty sure that he wouldn't pass the first round. So ouais, j'étais quasiment sûr que ça allait passer par le premier round. Je m'attendais pas à ça fasse moins de 10 secondes, mais toward the monitor here. I want that replay to run again and I want you to walk me through this entire fight. You know, this is my specialty. You know, I'm a kickboxer and all the time when someone kick me on the body or high kick on the head, I used to, you know, to trap his, you know, to take his leg. And counter with the right arm. Alors, ça fait des années et des années que je prends des kicks et j'ai l'habitude d'attraper les jambes pour envoyer mes poings derrière. You acknowledged that this was the most pressure that has been put on a fight, right? You sold out this arena. Voilà, il y avait une énorme pression sur tes épaules. Hein. Tu as vendu toutes les places, tous les billets pour cette salle ce soir. What does it say about you that under all of this pressure you came through with that performance? Voilà, malgré la pression, t'es arrivé à performer. 80 fight. I've done an 80 fight and you know I used to fight against such a big crowd like this. I did kickboxing championship in front of more than 20,000 people. Alors, donc, il a l'habitude de combattre devant des salles combles comme ça. Il y a plus de 80 combats sur l'actif, rendez-vous compte. Nicky Holsken, he was undefeated. I fought Mirti Brona, Johan Kongolo. J'ai affronté et battu des grands noms du kickboxing comme Nicky Holsken, Mirti Brona. The pressure was high because of, you know, big people right there, you know, Gims, Kiki dans la maison. Voilà. Oh, the PSG team. Et il dit la pression, c'est les célébrités qui l'ont mise. Excusez-moi, j'oublie tout le monde, Blackie. Hey, il y a trop de gens, gros. I forgot some people, but you know, the pressure is high. Everybody is watching this fight, you know. So that's why, you know, but. Voilà, la pression était vraiment sur le fait que tout le monde regardait le combat, c'est tout. All right. You're now 5-0 as a professional mixed martial artist. So what's next for the best? Hey, c'est quoi la huisse? La suite pour toi. For the best, you know. It doesn't matter what. Some people used to say, I never decline a fight. Peu importe ce que des gens disent, jamais je refuse un combat, poto. I never decline a fight. So anyone, I don't have to call out anybody because I'm the best. They have to call me out, you know what I'm saying? Shut up, man. So next for me, you know, it doesn't matter. I think, I will not say I want the bet right now. I wanna add something in my highlight, you know, I want more knockout in my highlight. So, c'est pas force. I don't want the belt right now. Are you ready right now to jump into the PFL global season and chase the $1 million championship? Oh, they're ready for me if I jump in the in the tournament. Voilà. Lui demande, est-ce que t'es prêt pour le tournoi à million d'euros? Il fait non. Est-ce que eux ils sont prêts pour moi dans le tournoi à million? Les gars, c'est une dinguerie. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Hey, franchement, juste, seriously. Seriously, I want to say this for Jordan Zibo. J'ai envie de dire ça pour Jordan. Hey, lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO. C'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà. Donc, Jordan, a lot of respect for Jordan. Wow. Jordan is a good fighter. Wow. He's very young. Jordan, il est très jeune. Là, ce que je lui ai dit, why did I tell him? I told him that he's still young, you know. I want him to forget this defeat, you know. I hit hard. I'm very strong. I'm stronger than him. I want him to forget. Je lui ai dit, hey gros, oublie cette défaite. Je me la raconte pas, mais je frappe trop fort, je suis trop fort que toi. Je suis plus fort que toi. Non, sérieux. J'ai dit, je suis plus fort que toi. Oublie cette défaite. Je veux surtout pas que tu arrêtes de t'entraîner. Tu as des capacités de fou. Continue de t'entraîner. Écoute tes coachs. Et ce que je demande, c'est, je veux pas que cette défaite, elle t'abatte. Les gens, ils vont continuer de t'encourager. Les gens, ils ont rien contre toi. Oui, on a crié Jordan, t'es mort. Mais on va continuer de l'encourager. We still support Jordan. Et ce que je vous demande, c'est tout le monde sur les réseaux sociaux, je veux que personne l'éteigne. S'il vous plaît, envoyez-lui de la force sur les réseaux sociaux. Allez le follow. Demain, si vous voulez, vous le follow. Mais voilà, c'est un bon gars, Jordan, allez donner de la force. Enfin, c'est un bon gars, je sais pas, mais voilà, on dirait. Congratulations, it was an honor to call the fight. Cédric Doumbé, ladies and gentlemen. Wow, comment s'en douter, hein, l'interview d'après combat. Presque aussi spectaculaire que le combat en lui-même.
Cédric Doumbé de Best qui s'impose.